Bonjour à toutes et à tous, voici en bref l'agenda de vos sorties à Clermont-Ferrand. Yeah. On the mic. Plongez dans la virtualisation de votre environnement avec le 29e festival Vidéoforme. À l'heure où le paysage politique de notre pays se dévoile en résultats chiffrés, Vidéoforme nous offre une lecture du monde en série de 1 et de 0 qui caractérise l'encodage numérique binaire. De la Maison du Peuple à l'espace d'art contemporain L'Atelerie, en passant par la chapelle de l'Hôpital Général ou encore la galerie Claire Gasteau, le Festival International des Arts Numériques de Clermont-Ferrand interroge notre relation à l'art et la technologie. Au niveau des expositions, c'est peut-être l'interactivité revisitée au regard des technologies récentes. C'est peut-être aussi la tentative que l'on fait de trouver de nouveaux modèles de production en faisant un appariement entre un projet d'un artiste et une entreprise et un savoir-faire. Donc il y a au moins deux pièces qui ont été produites de cette manière-là. Et c'est une chose qu'on essaye de modéliser afin de vendre, entre guillemets, ce modèle vers le monde de l'entreprise. On pense très sérieusement que l'entreprise a besoin d'un artiste, au même titre qu'elle a besoin d'un ingénieur, d'un producteur, d'un chercheur, et que cet artiste fait bouger les lignes qui vont finalement démarquer cette entreprise par rapport à sa concurrence. Les expositions de cette édition 2014 sont à découvrir jusqu'à fin avril à travers la ville. Vous retrouverez tous les détails de la programmation sur le site web du festival. Jusqu'au 29 mars, c'est également la semaine de la poésie que nous vous invitons à vivre sur Clermont-Ferrand. Cette 27e édition éclaire le travail de la marraine du festival, Valérie Rouzeau, récompensée en 2012 par le prix Apollinaire pour son recueil Vrouze. Mais l'événement célèbre aussi la force créatrice du Brésil que trois illustres poètes viennent représenter et nous ouvre enfin à une réflexion sur les subtilités de la traduction en poésie. Vaste programme donc, là encore détaillé sur le net. Le geste n'est pas dénué de poésie, c'est surtout une aide précieuse à la recherche que constitue la vente de tulipes contre le cancer. Initiative des Lions Club de France, l'opération est organisée à Clermont-Ferrand au kiosque de la ville Place de Jaude et au Centre Jaude jusqu'au 19 avril avec une vente de bouquets à 5 euros au profit de la Ligue contre le cancer. Chaque année en France, 150 000 décès sont imputables au cancer, deuxième cause de mortalité selon la Ligue après les maladies cardiovasculaires. Évasion maintenant avec le club Auvergne Plaisance et Croisière qui fête cette année 50 ans d'existence et organise une série d'expositions et de projections. Les tours du mondistes de l'Asso exposent ainsi leur expérience du 28 au 30 mars et du 4 au 6 avril de 14h à 18h30 au 57 boulevard François Mitterrand, tandis que le cinéma Le Rio accueille une soirée de projections et conférences sur les voyages d'Ulysse vendredi 28 mars dès 18h30. Une excellente occasion de vous rapprocher de cette association qui vous apprend à naviguer et organise chaque année une dizaine de sorties en mer. Plus d'infos bien sûr sur le site web de l'Asso. Côté scène, la compagnie DF nous fait vivre le souvenir de la Première Guerre mondiale à la cour des Trois Coquins du 27 au 30 mars, 20h30. Dans sa pièce intitulée « Déjà la pierre pense ou votre nom s'inscrit », le recueil de témoignages, poèmes et autres articles de presse collectés prend vie pour nous mesurer aux extrêmes limites de l'homme, dans sa bravoure comme dans sa folie. Un spectacle pour le moins déroutant. Côté concert, dimanche 6 avril à 18h, la coopérative de mai programme Amel Bent, bande de petits vénards. Et pour ceux qui ne se sentent pas prêts à vivre un tel frisson musical, la cathédrale offre une demi-heure d'orgue. Dimanche 30 mars à 17h30, où l'association des Amis des Orgues jouera Bach, Messiaen et Duruflé. Dimanche 6 avril, en cette même cathédrale de Clermont-Ferrand, Jean-Baptiste Létang fera résonner le grand orgue à 17h30, une demi-heure durant également, ce qui vous mettra en retard bien évidemment pour le concert d'Amel Bent, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, la vie est mal faite. Heureusement, il y en a que le sport n'effraie pas, du moins tant qu'on est spectateur. Il est vrai que certains matchs nous font vivre la tension sur le terrain et sentir la sueur subséquente comme si on y était. Espérons que celui du 11 avril soit l'un d'eux, l'ASM Rugby affrontera le Castres Olympique au Michelin. Au stade Gabriel-Montpied, le 4 avril, c'est jour de foot, klaxon, écharpe et extinction de voix pour les heureux supporters du Clermont Foot qui reçoit Châteauroux.
Enfin, ne manquez pas les 12 et 13 avril à la Maison des Sports, les championnats de France de karaté combat senior. 300 combattants pour 10 titres individuels, le tout dans une discipline du corps et de l'esprit sans commune mesure, du beau spectacle en perspective. Et sur cette chaude recommandation s'achève notre édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dans une semaine. Ciao !